iemand in die toekomst uw voorschot maar klaar bij toewerken. Hij gaat tegen ons afspraak geven en we hebben nog iets gevoel gemaakt.
scorer number 10, Kevin Guillaume. Yeah!
Achtung, Didier. Alors, une sortie décisive en début de match et puis un réflexe tout aussi décisif en fin de match, c'est parfait pour toi aujourd'hui. Ouais, voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai pas eu beaucoup de trucs à faire, mais ce que j'ai eu à faire, je l'ai bien fait, c'est tant mieux pour l'équipe. Et pour ta confiance aussi, maintenant, avec 9 matchs devant toi, c'est plus facile que d'entrer de temps en temps. Ouais, c'est sûr que ça fait du bien d'un peu jouer chaque semaine, et même avec les équipiers, il y a plus d'automatisme, parce que même avec le gardien, il faut en avoir. Et avec les semaines qui vont s'enchaîner, ça va aller de mieux en mieux, je pense. Et puis voilà, enfin une victoire après autant de semaines d'attente. Ça veut dire que Liège est reparti et que rien n'est encore perdu. Non, rien n'est encore perdu. Tout est encore à jouer. Il reste 9 matchs, donc 6 points sur 9 matchs, c'est rien du tout. C'est à nous de montrer qu'on est capable d'accrocher ce top 6. Eh bien, on te souhaite en tout cas une bonne fin de saison. Merci, j'espère que ça ira en tout cas. Ok. Et voilà, Alex, on la tient enfin, cette victoire. Oui, effectivement, c'était une victoire difficile à acquérir, mais bon, je crois qu'il n'y a rien de facile, même en D3, comme en D2, comme en D1. Donc aujourd'hui, mes joueurs se sont bien battus, et bon, on a pris les 3 points, ce qui était important, surtout après les 2 premières défaites. Oui, ça a surtout été une bataille, hein, parce que, point de vue jeu, c'était pas vraiment terrible, mais en tout cas, les joueurs se sont battus à fond. Ben, c'est ce que j'ai demandé aussi, déjà l'état du terrain aussi, c'était pas facile. On a bien contrôlé le match, je dis, jusqu'au 2-0, et puis on prend ce but, encore un contre. Et à ce moment-là, ben, on a sauvé, parce que bon, Tirlemont a poussé encore un attaquant de plus devant, ça venait de tous les côtés. Mais bon, ça fait partie du football, parfois on prend des points en se battant, et aujourd'hui ben, ils l'ont mérité, c'était pas notre meilleur match, mais on rentre avec les 3 points, c'était le plus important, surtout avant de préparer la semaine prochaine contre quand même un gros client. Avec une défense remaniée, 22 bonnes dans l'axe, ça a bien fonctionné. Ben, ça a très bien fonctionné, oui. Vous savez, quand on a pris autant de buts, je crois 42 ou 43, ça fait 44 même, donc ça fait beaucoup. J'ai voulu essayer quelque chose sans trop changer l'équipe, donc j'avais dit je vais peut-être essayer un ou deux joueurs, comme le cas de Kevin Guillaume qui est rentré aujourd'hui, Franz qui a joué à droite et comment je vais dire, Eric qui a joué dans l'axe. Mais je veux directement dire, c'est Marin, c'est pas de sa faute qu'on a pris tous les buts non plus. Je lui en ai parlé avant le match, j'ai dit c'était un essai, si ça ne marche pas aujourd'hui, ben on essayera peut-être avec d'autres joueurs la semaine prochaine. Ça réussit maintenant, on verra ce qui se passera dans les prochains matchs. Alors dans les prochains matchs, d'abord, on ne sait pas si on jouera contre le Berceau dimanche, sa réponse probablement demain. Mais de toute façon, il reste 9 matchs et après cette victoire-ci, on peut dire que rien n'est perdu. J'ai toujours dit, tant que mathématiquement, il n'y a rien de perdu, on doit jouer et continuer à y croire, même si on n'a plus aucune chance, ne fût-ce que pour les supporters qui aujourd'hui ont encore été nombreux. Donc je crois que ça fait aussi plus de plaisir pour eux de se déplacer jusqu'ici et de retourner avec une victoire, ça faisait déjà longtemps. Mais bon, je crois qu'il n'y a personne devant nous qui va faire le maximum de points, donc 27 sur 27. Donc
continuons sur des victoires et puis on verra où on arrivera, mais il faut continuer à se battre. Et il y a encore 4-5 équipes devant nous. Je ne connais pas tous les résultats, mais ça va pas être évident. On a perdu trop, à mon avis, de points stupides, comme les deux premiers. Je dis, aujourd'hui, je ne comprends pas encore qu'on avait 0 sur 6 après ces deux matchs-là avec autant d'occasions. Mais bon, c'est du passé, on ne sait plus y revenir. Maintenant, on doit préparer le prochain match.